Ils étaient des dizaines, le chef d'établissement scolaire, tant public que privé, de la commune des Massoudi à Mouenéditou, était à l'école du savoir mercredi 22 janvier sur l'établissement des numéros d'identification et permanent des élèves. Organisée par l'antenne CERNI, en collaboration avec le ministère de l'EPST, cette formation vise notamment l'éradication du vagabondage scolaire des élèves qui secouent actuellement les écoles de Mouenéditou. Il ne reste plus qu'aux enseignants des mettre en pratique les notions apprises pour un meilleur encadrement de l'élite prochain. Notre objectif, c'était apprendre au chef d'établissement comment établir le numéro CERNI, qu'il sache comment remplir les registres d'identification, comment donner le numéro d'identification à l'enfant. On a commencé en 2009. Après un temps, on nous dira que non, ce ne sont pas les antennes qui donnent le code d'école. Nous avons arrêté. Et cette fois-ci, nous avons repris parce qu'on nous a dit que c'est maintenant que c'est nous qui devons donner le numéro aux enfants. C'est ainsi que nous avons commencé cette année-ci. Nous recensons tous les enfants. Nous donnons à chaque enfant un numéro. C'est un numéro qui doit le conduire partout. Il doit être dans toute la République démocratique du Congo.